Depuis 3 ans, Meghan Markle est brouillée avec son père, Thomas. Alors qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et que l'ancien chef éclairagiste de cinéma n'a pas rencontré ses petits-enfants, Archie, 2 ans, et Lilibet, 1 mois, il a déclaré dans une interview accordée à Fox News qu'il allait avoir recours à la justice pour voir les enfants de sa fille. Je vais faire une demande à la justice californienne afin d'obtenir le droit de voir mes petits-enfants dans un futur proche, a-t-il assuré. Condamnant le mauvais comportement de Meghan Markle et du prince Harry, Thomas Markle a assuré, « J'aimerais saisir cette opportunité pour demander à Sa Majesté la Reine et à la famille royale britannique de permettre à Lily de se faire baptiser à l'église de la Reine. Nous ne devrions pas la punir pour le mauvais comportement de Meghan et Harry. » En colère, Thomas Markle a déclaré face à la caméra, « Archie et Lily sont de petits-enfants, ce ne sont pas des politiques. Ils ne font pas partie du jeu. Eux aussi sont des membres de la famille royale et ils ont droit aux mêmes droits que les autres. » En juin dernier, CST dans l'émission australienne 60 minutes que Thomas Markle s'était exprimé suite à la naissance de Lilibet. Il avait alors déclaré, « J'ai été le premier à prendre Meghan dans mes bras, née par césarienne. Je serais très déçu si je ne pouvais pas prendre dans mes bras ma petite fille. » Pour le Sun, CST suite à l'annonce de la naissance de Lilibet qu'il avait souhaité féliciter sa fille en révélant, « Je suis très heureux de l'annonce de la naissance dans les meilleures conditions de ma nouvelle petite fille et je lui assure, ainsi qu'à sa mère, tout mon amour et mes meilleurs vœux. » Meghan Markle, souhaite-t-elle revoir son père? Si Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas réagi à l'odieux chantage de Thomas Markle, il semblerait que le couple ne souhaite pas faire de pas vers lui. Quelques semaines plus tôt, un spécialiste de la couronne avait en effet déclaré, dans l'état actuel des choses, il semble peu probable que le grand-père rencontre sa nouvelle petite fille avant un certain temps. Peut-être qu'un temps voulu, il la rencontrera mais pour le moment, le couple ne lui donnera pas la priorité pour des raisons évidentes.